look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Du coup, rebonjour, je suis un peu proche de lui là. Rebonjour les gens, on se retrouve pour la suite de Pokémon Bouclier. Et pour le coup, ça me parle un peu en fait. Je me rends compte que Pokémon Bouclier, ça me parle bien, tu vois, parce que j'avais envie de jouer à Pokémon. Et il y a Bouclier. Enfin, j'avais pas spécialement envie de jouer à Pokémon comme ça, mais Pokémon. Enfin, jouer à un nouveau Pokémon, ça me disait bien. Et c'est vrai que Pokémon Bouclier, c'est pas mal. Bref, on est parti. On continue à capturer un peu tout ce qu'on voit, hein. On profite. On profite. Et du coup, ouais, faut pas que je me couche trop tard parce que demain, il y a mon équipe qui a un match. Et je vais les encourager. Et Hello, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Et j'ai plus de vie, j'avais pas vu, j'ai oublié ce détail. Bon, ça va, ça reste un minimum. Ouais, pas très efficace, tu m'étonnes. Oh non, putain. Type glace. Ouais, bah... J'ai un Pokémon, mais il est low, hein. Mauvais bail. Je fais une grosse erreur, là, mais... Tant pis. Enfin, bref, et c'est à... Oh, la morsure, ok. C'est, je crois, 10h30 là-bas, donc... Ah non, mais je voulais pas le tuer. C'était pas au programme. Bon, on va aller soigner nos Pokémon. Hein, on va aller soigner nos Pokémon. Et je pense que je vais mettre Arcanin en équipe devant. Parce que... Kanino, c'est pas Arcanin, qu'est-ce que je raconte. Parce que c'est vrai que Pokémon Feu, au début des jeux, en général, c'est très très fort. Hein. Jusqu'à ce que tu arrives à la première arène. Oh, non, ça le fait peur en fait, faut pas siffler. Mais comment je le touche? Ah, peut-être qu'il... Oh non, c'est un Pokémon fort encore. J'espérais tellement. Oh là, tu vois, là je commence à pas me sentir très à l'aise. Hein. Allez, salut, hein. Je pensais pas qu'il... Je me suis dit, ce Pokémon-là, en général, il est pas... Je sais même plus son nom, alors qu'on l'a vu il y a deux secondes. Il est pas spécialement fort, en général. Enfin, c'est pas un Pokémon que je trouve très fort. Et... Sauf que finalement... Bah, après, il était peut-être pas très fort, mais il était niveau 33, quoi. Et nous, on n'est pas niveau 33. Clairement pas. Ok, on retourne là-bas, on soigne. Bon, je pense qu'on va passer encore beaucoup de temps ici, hein, très clairement. En tout cas, on est parti pour... J'ai très soif, j'ai un peu mal à la tête. Donc je pense que ça va être la dernière partie de l'épisode. Enfin, je vais m'arrêter après. Après cet épisode, du coup, il va peut-être pas durer que 40 minutes, on verra. On verra. Mais ouais, je crois que je vais m'arrêter là après parce que je commence à avoir mal à la tête. C'est terrible, c'est affreux. D'ailleurs... Je vais juste retourner sur Facebook deux secondes. Peut-être Kofi m'a dit quelque chose d'important. Ok. Kofi regardera peut-être les rediffs. C'est un bon point. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà. Alors, on va retourner où on était. Je regarde juste s'il n'y a pas des Pokémon spéciaux. Papillusion. Attends. Regarde, ah, il descend. M'attaque pas, toi. Regarde, il descend de plus en plus. Pas du tout. Il est remonté, j'ai l'impression. Il remonte. Est-ce que vous pensez que si je l'appelle des hautes herbes, ça va l'attirer? Parce que là, j'ai l'impression juste qu'il s'éloigne, en fait. Il va de plus en plus bas, non? Bah, il remonte. Ah, j'ai l'impression qu'il descend de plus en plus, hein. Genre, il remonte, il redescend, mais il remonte moins haut qu'il redescend à chaque fois.
Ouais, je suis pas sûr, hein. Est-ce qu'on garde la patience ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on l'appelle? Ouais, non, ça sert à rien. Oh, c'est ça! Oui! Je vais t'exploser! Et tu fuis pas par contre, hein. Les Pokémon sauvages, ils peuvent fuir. Oula, on va pas faire Flamèche, hein. Morsure, c'est bien, hein. On va l'exploser. Ah, ça va! Ok, je vais prier pour pas faire un coup critique. On s'en fout un peu. Ça réduit l'esquive, je crois. Ah non, la vitesse, d'accord. Ah merde. Grondement, on est d'accord que c'est pas une attaque. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. J'aurais dû changer de Pokémon. Ok, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Allez, 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 allez. Moi, je mets mon papillon. Certes, on avait un crise d'acier, mais j'avais pas envie de le monter. Que demande le peuple? Merde. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Eh boum, on prend des niveaux. Magikarp est niveau 10. Route feu. Oh, 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 on va envoyer du pâté dès le début du jeu, c'est fou. Ouais, bah les deux, ça revient en même en fait, un peu. Bon, on dégage gros yeux. Si, gros yeux, c'est moins bien parce qu'en gros. Si tu fais gros yeux, c'est que sur un ennemi. Alors que si tu fais sur tous tes alliés, ça peut toucher tous les ennemis, c'est plus fort. Et en fait, c'est terrible parce que quand je veux vous parler à vous, je regarde ici. Parce que là, j'ai le retour de ce qui se passe. Et pas là. Là, j'ai pas le retour. J'ai le jeu et la cam. Et du coup, quand je veux vous parler directement à vous, comme là actuellement, eh ben, je regarde là-bas. Il faut que je regarde là. Et c'est très perturbant, mais vraiment. Hein. Ça me perturbe énormément de faire ça. Ok. Bon, il y en a un autre, mais on s'en fout. On l'a eu, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, c'est vrai qu'il y avait toi. Qu'est-ce que tu me disais? Ça te tenterait un combat? Je te préviens, je suis trop forte. Mais si tu me bats, tu gagneras beaucoup de sous, alors tu veux? Pourquoi je suis con? Mais je connais pas aussi, je sais pas. Oh! Oh, ça va! Oh, il est mort. Tiens, coup de feu, boum, on perd pas de temps. On ne perd pas de temps. On va l'éclater. Oh, et en plus, on lui met brûlure, oh là là, tant de violence. Oh, j'ai tellement bien fait de le capturer, il va être ultra efficace, je pense. Allez, boum, coup de feu, et on n'en parle plus. Au suivant. Mais bon, on va pas garder cela, je pense. Je sais pas, en fait, comme le problème, c'est que dans Rouge-Feu, déjà... Alors, dans Rouge-Feu, j'ai ma petite équipe. Dracolo, Sulfura... merde, j'ai pas vu. L'armée Léon. Ah, merde. J'aurais dû chercher. Mission about. On a un type plante. On a pas de type plante. Voltoutou, t'es fou. Bah, c'est très bien, ça. Pourquoi je veux forcément type plante? Oui, du coup, je disais... Dans Rouge-Feu, ouais, en général, mon équipe, je la connaissais. Ce que je faisais, c'était... J'étais le kéké qui prenait tous les légendaires. Hein. J'avais... du coup, c'était... alors... Plusieurs choix s'offraient à moi. En gros, dans le jeu, si tu prends un starter... du style Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, tu pouvais avoir un des trois chiens légendaires, du coup Enten, Suicune et Raikou.
Et du coup, normalement, si je dis pas de conneries, ça reste à voir, je suis pas sûr de moi. Quand t'avais. En gros, c'était l'inverse, c'était ton élément opposé. Donc, si t'avais pris Dracaufeu, tu te retrouvais avec Suicune. Mais après, moi, ce que je m'étais amusé à faire, c'était ce que j'avais un pote qui avait une Game Boy Advance aussi. Et en gros, bah, je refaisais le jeu pour capturer un des trois chiens légendaires. Et du coup, après, je filais à mon pote pour qu'il me le refile à moi, mais sur un autre perso. Et du coup, j'ai réussi à avoir les trois chiens. Enfin bref, quoi qu'il en soit. La première fois que j'ai mis mon équipe au complet, c'était avec Suicune. Bon, par contre, il résiste beaucoup quand même. Hein. Après, c'est avec mon toutou, avec niveau 9, 10, je sais plus. Donc là, ça va être un type feu, je suppose. C'est cool, on y a plein d'XP. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup... mon équipe que je pense la plus efficace que je faisais, c'était du coup... Parce que je l'avais fait, ça, j'avais fait une fois avec Dracaufeu, une fois avec Florizarre. Enfin, le type plante. Du coup, je prenais... je commençais avec Bulbizarre pour faire briser en je sais plus qui, là je me souviens plus de son nom. Et oh, il est confus, c'est bête ça. Est-ce que tu vas te taper? Ah, dommage. Et du coup, je vais finir mon histoire. J'avais pris Bulbizarre, j'avais Dracolos, ça fait 2, Sulfura, Elector, Articodin. Et Entei. En fait, non, c'est de la merde. J'ai deux types feu. Ah oui, c'est de la merde. Ah non, c'est pareil. Il s'en met en même, en fait. Ah non, je prenais Mewtwo, je suis con. Ah oui, non, mais avant d'avoir Mewtwo... Ah oui, du coup, je recommence. Parce que pour battre la ligue, faut battre la ligue deux fois avant de pouvoir avoir Mewtwo. Mais une fois que t'as eu Mewtwo, bah, t'as plus rien à faire. Donc oui, je recommence. Donc... Bulbizarre du coup, Dracolos, Sulfura Lector, Articodin et Entei. Voilà, ok, c'est bon, c'est ça. Et une fois que j'avais réussi à avoir Mewtwo, je dégageais Florizarre, enfin Bulbizarre, pour mettre Mewtwo à la place. Voilà, c'est ça, ok. Mais je pense que ça aurait été mieux de dégager Entei ou Sulfura. Je pense. Mais super fort en fait. Pour te récompenser, je vais te révéler un truc. Dans les terres sauvages, on trouve des tas d'objets par terre, ramasse-les pour les vendre. Et tu te feras plein aux as. Reviens m'affronter quand tu veux ici. Je vais continuer à m'entraîner. Ah ouais, j'avoue, si je peux la affronter, ça peut être cool. Mais du coup, je vais soigner mes Pokémon, hein, parce que mon toutou, il a pris cher. Enfin voilà, et du coup, bah en général, moi, c'était full légendaire. Enfin, Dracolos n'est pas un légendaire. Et puis, ton starter non plus n'est pas vraiment un légendaire. Mais... Bah du coup, à la limite, Suicune est mieux, du coup, finalement. Après, t'as deux types feu. Bah, en vrai, si, tu fais ça. Je parle du rouge feu, hein, d'ailleurs, hein, je sais pas si je l'ai précisé. Elector, Articodin, Sulfura, donc glace, feu, foudre. Ça fait trois éléments. Après, t'as Suicune type O, Mewtwo type Psy, et Dracolos type dragon. Voilà, ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Parce que le problème, c'est que... Bah oui, je suis con, en fait, forcément, t'as forcé... À part si tu prends Carapuce. Si tu prends Carapuce au début, t'as un type O et t'as pas de double classe. Ouais, mais bon. Ah, par contre, pour avoir un des trois chiens, c'est tellement chiant, je m'en souviens. Je me souviens plus totalement de l'astuce, mais en gros, ça pouvait... Tu pouvais recommencer... En fait, fallait spammer un truc à faire au début du jeu. Enfin, au début du jeu. Faut pas le faire au début du jeu parce que là, t'as le Pokémon niveau 50 si je dis pas de conneries. Mais en gros, dès que t'as plus ou moins le niveau, d'ailleurs j'utilisais toujours la Master Ball sur eux. Oh, j'étais pas toi. J'utilisais toujours la Master Ball parce qu'en gros, je crois qu'il peut fuir pendant le combat. Ce qui est relativement chiant. Il peut fuir pendant le combat. Du routeur. Et si jamais tu le rates, faut refaire la manip, je crois,
Et faut pas que tu le tues non plus, parce que sinon après tu peux plus le capturer. Il me semble, pareil, c'est, je suis pas sûr, je m'en souviens plus des masses. Et du coup, en gros, l'idée... Alors déjà, pendant la manip, fallait pas que tu sauvegardes. Si tu sauvegardais, ça réinitialisait tout le processus. Pareil, je suis pas sûr de ça. Ça fait très longtemps que je faisais ça. J'étais en primaire, collège, je m'en souviens plus bien. Ok ? Toi non plus, je t'ai pas. Allez, hop, on enchaîne. Mais je l'ai tué, je suis con ! Fait que je le capture ! C'est terrible quand je raconte mon histoire, là. Donc, après, regardez sur Internet parce que je m'en souviens plus, encore une fois, si jamais ça vous intéresse. Mais je vais le retuer en fait, mais il faut que j'arrête de faire haut de feu. Ah non, je l'ai fait deux fois haut de feu, c'est pour ça que j'ai tué. On va faire un petit flamèche, hein, ça ira bien. Et crapasse. Non, c'est pas les crapasse ça. Je me souviens plus. Mais stop. Mais stop. Ça s'arrête jamais ce truc. Toi. Du coup, tu vas... au premier centre Pokémon que tu as dans le jeu, tu montes dans la forêt de Jade, je crois que c'est ça, et tu redescends à l'endroit où genre il y a une petite haie, tu passes par au-dessus et en gros t'as un carré, on va dire, de 10 sur 10 de feuilles. C'est là-bas, faut que je regarde. On va faire Ekraface, hein. J'ai peur de le tuer. J'étais large. Et du coup, tu passes par au-dessus le truc de l'air, enfin, pas que je vais le prendre, mais je t'en fous, quoi. Enfin, tu vas dans ce truc-là, et en gros, tu vas tomber sur un Rattatar ou cool, ce que tu veux, sur le premier Pokémon. Et sur le deuxième Pokémon que tu t'affrontes, tu as une chance sur, je crois, c'est 60 ou 30, enfin bref, qu'il apparaisse. Et en gros, bah, tu fais ça 30 fois ou 60 fois, du coup, et il arrivera forcément dans un de ces... Il arrivera forcément sur... Une des 60 fois que tu l'as fait, ou 30 fois, je sais plus combien est le chiffre. Donc, tu peux l'avoir du premier coup, comme tu peux l'avoir au 60e coup, en fait. Et à chaque fois que je le faisais, ça marchait. Donc, bon, après, c'est peut-être pas exactement ça l'astuce, que je vous ai dit. Excusez-moi. je suis pas sûr que c'était exactement comme ça, de descendre au centre Pokémon, monter à la forêt de Jade, ressortir, et voilà. Je suis pas sûr que c'était comme ça qu'il faut faire. Regardez sur internet si ça vous intéresse. Mais c'était cette astuce, ça passait une espèce d'astuce comme ça que je faisais pour les avoir. Et voilà. Voilà pour la petite info pour ceux qui sont. Qui aiment bien avoir un peu tous les Pokémon. Mais enfin bon. À la limite, si je vous fais un let's play sur le jeu, je vous montrerai les astuces. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre... Attends. Laisse-moi tranquille, toi. Toi, on t'a pas, je crois. Oui, non, toi, on t'a pas. Toi, t'es... Je sais plus en quoi t'évolues, hein. Mais t'évolues dans un truc trop cool, il me semble. Je sais plus en quoi. Mais j'ai un bon souvenir de toi. Ah merde, t'es l'eau, j'avais oublié. Je sais pas si c'est une bonne idée de le taper du coup. Faut pas qu'il me tue en fait. Mais à mon avis ça allait le mettre très mal. Voilà, c'est bien ça. Étonnement. Ouh. Oh non, 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 allez. Je crois en pouvoir de la Pokéball. Il m'a pas respecté. Qu'ai-je fait, Arcanin? Je crois qu'on va envoyer une Super Bowl. Ah oui, il y a aussi un Pokémon que j'ai jamais réussi à l'avoir, il me semble. Pareil, ça je suis pas sûr en fait. Je crois que je l'avais déjà eu, mais je suis pas sûr du tout. C'était Mew. Et ouais, je vais balancer une Super Bowl, sinon j'y arriverai jamais. C'était Mew. Je crois que je l'ai jamais eu. Alors il y a plusieurs astuces. Alors dans Pokémon rouge, dans Pokémon jaune, je crois que si tu montes un Pikachu niveau 100, mais sérieux ? J'ai même pas un petit tiling tiling. Je crois qu'on va le tuer. Hein.
Ouais, bon, laissez tomber, on va perdre tout ton Pokéball sur lui. On va le finir. Hein. Du coup, oui. Dans version jaune. Ziviotok, t'en fous. Dans version jaune, il me semble que si tu montes un Pikachu niveau 100 et que tu le nommes d'une certaine façon, je crois, et que tu donnes à la gamine qui est dans le musée, elle te donne Mew à la place en échange. Dans vert feuille, je me souviens plus. Aussi bleu, je crois. Dans version bleue. Enfin, bref, je sais plus dans lequel c'est. Je sais plus si c'est dans rouge feu ou dans bleu, je sais pas quoi. Enfin bref. Je sais même plus des noms des trucs, c'est terrible. Je vais essayer de mettre... J'adore faire des allers-retours, vraiment c'est un gros fun. dans le bleu, dans le... Enfin, dans un des Pokémon de la première génération, tu pouvais l'avoir... En gros, tu donnais un... Je crois que c'était un mini Draco ou un Dracolos, je sais même plus. Si c'est un Dracolos, c'est un peu violent quand même. Tu le donnais pendant 4 heures à un mec qui t'entraîne. Alors, faut pas que tu éteignes ta console. C'est un peu le truc chiant, c'est que pendant 4 heures, bah voilà quoi. Tu le donnes au mec qui entraîne ton Pokémon. Et en gros, faut pile 4 heures après. Donc faut vraiment, tu rentres dans le truc, quand boum, tu l'as donné, tu m'en sais qu'on est à 4 heures pile. Il me semble que c'est 4 heures pile. Mais genre, ça joue pas à la seconde près, il me semble que ça se joue à la minute près, mais je suis pas sûr. Parce que je crois que j'avais essayé, ça n'avait pas marché. Donc. Et bien sûr, je crois qu'il ne faut pas que tu appuies sur le menu pause. Hein. Faut vraiment que tu laisses tourner le jeu comme ça. Et une fois que les 4 heures sont passées, tu rentres dans le truc et le mec il fait « Ah non, la Team Rocket m'a volé ton Pokémon. Bah tiens, pour me faire pardonner, je te donne Mew. » Et j'avais essayé ça et je crois que j'avais pas réussi sur Rouge Feu. Donc, est-ce que c'était parce que c'était pas la bonne version ou est-ce que j'ai pas fait le truc? Je ne sais plus. Faut que je me mouche, vraiment. Mais voilà quoi, il y avait cette manière là aussi derrière Mew, et il y avait aussi l'histoire du bateau qui revient au bout d'un an machin, mais ça apparemment c'était des conneries je crois, et il y avait aussi une manip à faire je crois, mais ça c'est sur version jaune, genre tout au début du jeu tu fais 2-3 manips en gros, mais vraiment tout au début du jeu, alors vraiment au début, il y a une jolie araignée ici, on va pas s'en approcher. Oh, il y a un truc par terre. J'ai détruit une Pokéball. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'en rachète. Vas-y, attaque-moi. Tchou-tchou. Mais s'en fout. Ok. J'ai peur qu'il soit level 1 milliard. Oh non, il est level 1 milliard. Mode 6, allez salut! Je vais utiliser une poké, flûte, machin, non, je sais pas quoi. Oh, nice! Oh bah nickel. Nickel, bon, il va être très chaud à capturer si on veut tous les Pokémon, mais. Au moins, on n'a pas pris de dégâts. Enfin bah, bref, voilà. Voilà pour les petites les astuces qui sont pas du tout à faire. Plutôt regarder sur internet, ce sera plus simple, très clairement. Hop. Bonjour. Ah, Magikarp! Qu'est-ce qu'on s'en fout? Niveau 5, je suppose. Bon, sinon, c'est pas drôle. Ah, niveau 10, quand même. Hop. Et il y avait aussi, allez, autre astuce, hein, j'adore les astuces de pro player, hein. Vous savez que j'adore ça. Oui, du coup, pardon, désolé, c'était le mode, là je suis en mode fatigue, c'est terrible. Du coup, dans Perle et Diamant, bon après c'est pas vraiment une astuce, mais... en gros, il y avait des events pour avoir Arceus. Arceus, c'est le dieu de l'univers, machin, tout ça, tout ça. Et en gros, il y avait un event et ça te donnait une Pokéflûte ou je sais plus quoi. Les terres sauvages regardent d'une énergie appelée Watt. Vous pouvez en obtenir dans des antres ou sur les Pokémon sauvages qui brillent. Vous pouvez échanger vos Watt contre divers objets auprès des dresseurs que vous croisez.
Dans les terres sauvages. Ah, c'était des watts que j'ai donné tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Au dernier épisode, du coup, mais pour vous, c'est tout à l'heure. Enfin, pour le live, c'est tout à l'heure. Je pense qu'on va aller en ville. Je continue à faire mon petit tour. Ah, oh, c'est un Evoli. Ah non, pas du tout, c'est un poney. Ah, oh, je suis déçu. Je regarde un peu ce qu'il y a. Hein. Il pleut, génial. Ok, toi t'es un Pokémon où il faut faire un Pokémon dur. Oula, attends. Ah, toi je peux te capturer. Non, t'as pas. Et du coup, il y avait un event pour avoir Arceus, pour avoir une flûte en gros, pour accéder à je sais pas quoi. Mais normalement, il y avait une manip à faire. Je pense que Routefeu ne devrait pas le tuer comme il était type O. Ah oui, vraiment, c'était pas efficace du tout, du tout. Il y a un peu de la foudre autour, ça me plaît pas. Et il y avait une astuce, alors ça c'est un pote qui me l'a dit, c'est pas... J'ai jamais réussi, mais c'est un pote qui me l'a dit et... Je suis vraiment fatigué, hein, c'est terrible. Par contre, bien sûr, ça va tellement le défoncer en fait. Ah non, ça va. Pardon, moi je vais prendre la lutte. Non, ça va aussi. Et en gros, du coup, tu vas dans un... On va faire flamèche. Tu vas dans un Pokéshop. Non, perds les diamants. Et en fait, si je crois qu'il fallait maintenir L. Maintenir L de la DS. Donc la touche L. Je pense que... Enfin, c'était L. Hein. À droite, c'est L. Je crois qu'à droite, c'est L. Ah, à gauche, pardon, c'est L. Et du coup, tu restais appuyé sur L. Et en gros, quand tu rentres, il y avait soit Arceus, soit... Je ne sais plus des autres. Il y avait les trois types de légendaires. Genre, je crois que c'était Darkrai, l'espèce de fantôme. Il y avait Arceus et l'autre, je me souviens plus de son nom aussi. Et en gros, bah, t'avais en allant dans tous les Pokéshops du jeu, et bah, t'avais au moins un Pokéshop qui t'allait faire pop un des trois. Et voilà. Mais ça, pareil, je suis pas du tout sûr de cette astuce parce que j'ai jamais. Alors, faut savoir que j'ai voulu essayer, sauf que ma DS, elle est, j'ai dû la maltraiter quand j'étais gamin. Alors je la tapais pas ou quoi que ce soit, mais genre j'étais un peu bourrin avec. Et je peux... Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Un triton. Ça doit faire un Pokémon ultra puissant. Je pense. Et tu vas nous exploser la tronche si je t'envoie pas un Pokémon électrique. Et du coup, ouais, j'ai voulu essayer, sauf que le problème, c'est que ma touche L, elle marchait plus. Enfin, elle marchait une fois sur deux. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeux où t'as besoin de la touche L. Mais genre, fallait que j'appuie très fort, et des fois, et le problème, c'est que je pouvais pas savoir si la touche L était activée ou pas. Et du coup, bah, je sais pas, j'ai jamais su si cette astuce marchait, parce que... Oh non, je suis confus! Oh non, c'est le pire truc au monde, ça! Ok. Mais du coup voilà, j'ai jamais su si cette astuce marchait. Tiens, Toto, on adore. Ah mais il y avait que 20 de puissance, c'est pour ça que t'es pas efficace toi. Peut-être que morsure ça fera plus mal. Waouh, tir de boue. Enfin voilà, pour les petites astuces de peu que je connais, que j'ai connu. Ah oui, et aussi ça, je pense que vous... Ah, mais vas-y, mais il pue la merde. Vol toutou. Aussi, bon, ça, c'est... Ça paraît logique, mais endormir ou paralyser les Pokémon que tu veux capturer te permet d'avoir plus de chances de le capturer. Voilà. Voilà. C'était la petite astuce que tout le monde connaît, mais on sait jamais. D'ailleurs, je me souviens d'un truc, on avait le guide Pokémon Jaune, genre le guide officiel, genre vraiment le bouquin là. Et genre ça faisait un peu un espèce de magazine aussi, je crois. On a explosé en fait. Qu'ai-je fait? Je papote, mais je me fais défoncer au passage.
Tiens, je joue jamais avec toi. Je vais t'invoquer pour une fois. Enfin, t'invoquer. Oui, si, c'est un peu invoqué. Hein. C'est quoi, arrogance? Ouais. Bon, allez, on peut tenter. Hein. Oh, cool! Ouais, c'est pas fou, hein. Et on avait le kit, ouais, c'était... Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais... Ouh! C'était... Je sais pas, je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool à l'époque. J'ai aussi les guides de FF15 et FF13-2. Version papier. Ça change tout. Et normalement, du coup, avec mon bouquin FF15... On a combien de temps? On est à 30 minutes, déjà. Avec FF15, d'ailleurs. Sur le bouquin, comme il y a eu des mises à jour, des machins, des trucs, je sais pas du tout en quoi il peut évoluer lui. Oh, il y a un goéland. Bon, ça suffit les Pokémon, en vrai, je pense qu'on va se barrer parce que ça commence à être long. Ça fait deux épisodes qu'on est là-dedans. On a jusqu'à où? Est-ce que... Oui, on peut aller plus vite. Eh bah si je veux tout capturer, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Calme-toi. Bon, je vous propose une petite... Oh, il y a un Fantominus. Oh, il y a les ténèbres ici. Ouais, bon, ça suffit, hein. J'en ai capturé un milliard. Attends. C'est un style ici. Non, je peux pas y aller. Oh, il y a plein de trucs. Pokéball. Rappel! Rappel Max! Oh! J'étais pas prêt! C'est très rare pour ceux qui savent pas. Enfin, très rare. Je sais pas si c'est très rare dans celui-là, mais dans Pokémon Rouge Feu, genre. À la fin du jeu, j'en avais quoi? 4? Non, joué par secoué! Oh! Je voulais pas resecouer! Ah là là. Et boum! C'est super efficace! Enfin voilà. Hein? Ah non, putain, je croyais qu'il avait commencé à préparer lance-soleil. J'allais dire, c'est quoi ce délire? Le truc est level 11, il a lance-soleil, tout est normal. Qui est l'attaque la plus forte de... du type plante, je crois. Enfin, qui était l'attaque la plus forte? Raf, c'est pas très efficace. Je commence à plus avoir de Pokéball, hein, à force de capturer un peu tout. C'est terrible. Bingo! Bon, c'est cool, là, on a déjà pas mal de Pokémon. Hein. C'est... Alors, bon, c'est mon avis, hein, mais je trouve que ça casse un peu. Ça casse un peu, je dirais, l'ambiance du jeu. Le fait qu'il y ait tous les Pokémon de toutes les autres générations. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu l'idée. Et. Bah, après, si c'est que dans ces zones un peu spéciales, ça me dérangerait pas, tu vois. Je me dis, là, c'est vraiment la zone. Pour capturer les Pokémon d'autres générations, etc. Mais à la limite, si je veux vraiment tryhard le jeu, tu vois, ouf. Je ferai ça en live, en vrai. Enfin, genre, bon, là, on est en live, oui, mais genre, là, je me concentre sur mon équipe tranquillement, à me choper une bonne équipe. Et salut toi. Et une fois que, oh, y a des Pokémon intéressants là. Enfin, intéressant. Je dis ça parce que j'ai vu un Pokémon que j'aimais bien quand j'étais petit. Dans Pokémon Ranger, je crois. J'ai joué à Pokémon Ranger, oui, c'est lui là, le nénuphar là, je me souviens plus de son nom. Je le kiffais trop. Ah, salut toi. Mais pas que t'es un dresseur. Hein. Attends, y'a un truc qui brille là.
Gros champi. Ça a clairement une tête de glaceur. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans la boutique de Watt. Tour de magie. Ah, Lux Ball. Qui permet de gagner rapidement l'amitié d'un Pokémon sauvage attrapé. D'accord. Un objet à lancer dans l'antre d'un Pokémon pour y faire apparaître un Pokémon Dynamax. Oh! Ah, ça coûte tellement cher. D'accord. Ok, ok. Par contre, il y a un Evoli qui pop. Ah, mais je me jette dessus. Je me jette... Ah, tiens! On a eu ton... On a eu ta version plus petite. Bon, bon, bon. Ouais, donc je disais, ça casse un peu l'ambiance s'il y a les Pokémon de toutes les générations et tout, parce que... Ce qui me tente le plus dans une nouvelle génération, c'est quand même les nouveaux Pokémon. Quand même. Bon, je sais pas du tout si... Je suis en train de rattraper le chemin que... Je sais pas du tout où je suis là, je suis paumé. Ouais, je crois qu'on est bien. Hein. Genre, j'aime bien qu'il y ait plein de Pokémon... Tout, que des Pokémon que je connais pas, en fait, tout simplement. C'est quand même le but. Mais du coup, alors, d'un côté c'est bien, d'un côté c'est moins bien. Le côté moins bien, c'est que du coup, ouais, ça casse un peu l'ambiance de ce nouveau... Le problème, c'est qu'il y a aussi Dracaufeu. Non, mais s'il te plaît, mettez-moi des Pokémon stylés, mais qu'on connaît pas, tu vois, je sais pas. Ils ont mis Dracaufeu en... Dès le début, on voit un Dracaufeu, quoi. Sans déconner. Je trouve ça un petit peu dommage que voilà, les anciennes générations soient un peu ancrées dans les nouvelles. Genre, parce qu'avant, du coup, tu faisais le Pokémon... Enfin, avant, vraiment tout au début, hein. T'avais les Pokémon de toute génération et t'avais après le Pokédex... comment on appelle ça ? International, qui permettait de pouvoir compléter les... Enfin, avoir les anciennes versions. Et je crois que t'avais des zones exprès pour ça. Mais aussi, tu pouvais... les Pokémon un peu spéciaux, tu pouvais les récupérer avec... si t'avais l'autre jeu, tu le transférais, machin, et tu pouvais le récupérer comme ça. Sauf que... Bah, du coup, c'était un peu chiant, forcément. Parce que si t'avais pas les autres générations, tu pouvais pas avoir les Pokémon de... Dans le jeu sur... Mais attends, mais c'est hyper grand, en fait. J'ai rien dit, mais en fait, c'est hyper grand, cette zone. C'est terrible. Regardez, encore là-bas, il y a plein de trucs à faire. Bon. Et du coup, c'était un petit peu chiant. Là, t'auras pas besoin de faire ça. J'ai l'impression que tu peux avoir tous les Pokémon du jeu dans ce genre de zone. Donc ça peut être très très cool. Qui es-tu, toi? C'est dresseur, tu fais les premiers pas dans l'art du montagne de toile. Eh bien, grâce à moi, tu vas connaître toutes les ficelles. Moi, les gens m'appellent Camping The Roi du Camping. C'est moi aussi, j'étais débutant tout comme toi, mais tu verras, on progresse vite. D'ailleurs, je suis toujours cadré. Oui, je suis toujours cadré. N'hésite pas à venir me voir si tu veux tout savoir sur le Poké Camping. Sur ce, qu'est-ce que le camping peut faire pour toi? Évaluer, c'est quoi ça? En tout, je vais te présenter ce plat dont tout le monde raffole à Galar, le curry. Pour le préparer, il faut commencer par faire mijoter les baies jusqu'à ce qu'elles deviennent assez molles pour en faire une sauce. Ensuite, on la verse sur une céréale appelée riz qu'on a préparé cuite. Bon, bref. Oui. Je m'en fous. Je me casse. Qu'est-ce que c'était dans la marmite? Je dresseur, voici un cadeau pour te féliciter d'avoir préparé un type de curry. Ouais, 3 paquets de saucisses. Je sais pas ce que je vais en faire. Oui, blablabla. Oh, c'est bon, stop, j'en ai marre. Je m'en vais. Quel est ce Pokémon? Oh, si je veux. Ah, si, excusez-moi. Il me semble qu'il évolue, je sais plus en quoi, mais je kiffais trop l'avoir celui-là. Feu, c'est fort contre la foudre? J'ai un gros doute là-dessus. Qu'est-ce qui est fort contre la foudre? Je ne sais plus. Non, c'est 50-50, je crois, le feu. Genre, le feu est aussi efficace que la foudre contre le feu, je crois. Il me semble. Allez, rends-le confus. Brûlure. C'est pas mal. Mais en plus, c'est même pas cette attaque qui rend confus, je crois. C'est...
C'est pas du tout sa attaque. Par contre, est-ce que je tourne de le capturer? Je sais pas si ça, ça va peut-être un peu chaud, non? Est-ce que je refais une attaque? Je pense que je peux refaire une attaque. Utilise vive attaque! Oui, oui, oui. Ok. Ok, il faut absolument que je le capture, sinon il est mort. Bon, par contre, je le mettrai pas dans mon équipe de 6 parce que, comme je vous dis, je vais une nouvelle génération. Je préfère me faire une équipe. Oh, sérieux? Je préfère me faire une équipe avec. Dommage. Avec la nouvelle génération plutôt que les anciennes. Voilà. Oh! Oui! C'est bon, l'armée Léon, il évolue enfin! Avec sa dégaine de. Pas. Oh, c'est encore pire! Oh non, il est horrible! Oh non! Rosard. Pourquoi je l'ai choisi? Pas assez malin, il paraît son territoire de piège pour empêcher ses ennemis d'y pénétrer. Oh, il est tellement... Non, stop! Il est tellement pas stylé! Oh non, mais please! Please, non! Oh, mais en plus, je rate ma fuite. Laissez-moi fuir! Oh non! Oh, c'est trop triste! Oh, stop, 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 stop! Oh non, vous avez vu en quoi il s'est transformé, au secours. Ah oh non, je suis trop tech. Ah oh non, mais please quoi, non. On est déçus. Bon, 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 on a combien de temps? 42 minutes? On continue encore, hein. Salut, toi! C'est mon chien Chidou! Ah, je connais ce nom. Ça me dit quelque chose. Le maître de Galate, mais t'as non, tout le. Fils, bon, allez, allez, hop, 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 hop. On trace. Coucou! Sonia, qui est Sonia? Ah, c'est toi. J'avais oublié. Alors les terres sauvages ça en jette hein. Mais vous devez être lessivé, ton équipe et toi. Faites donc un tour au centre Pokémon. Bah oui, bah j'en ai fait les allers-retours. Hein. Il y a un truc qui devrait t'intéresser maintenant que tu es dresseur. Ah, un Infotisma est disponible. Go go go. Je vous explique. Infotisma est un système d'information très pratique pour les dresseurs. D'ailleurs, on peut aussi s'en servir pour personnaliser ses cartes de Ligue Pokémon. Tu devrais essayer, c'est marrant. Tiens, je t'en donne une, cette fois, des fois que ça t'inspire. J'ai lu sans comprendre ce que j'ai lu. Vous avez obtenu la carte de Ligue de Tarak. Vous rangez la carte dans votre album de cartes de Ligue. Ah! Rendez votre carte de Ligue unique au monde pour la personnaliser, elle est dans l'imprimante, ok. Ça vous permettra également de la mettre à jour avec les... Ok. Toutes les dresseurs possèdent des cartes de Ligue qu'il est possible d'échanger en réseau ou... Ok. C'est grand moteur B, hein. T'inquiète pas, je vais te faire visiter. Rejoins-moi dès que tu auras soigné tes Pokémon. Oui, oui, oui. La cérémonie d'ouverture, ça me rappelle les souvenirs. J'oublierai jamais l'excitation de mon tout premier combat sur le terrain du stade. Ah, avec notre t-shirt trop stylé. Allez, soigne-moi ça. Infirmière Joël. Qui n'est plus infirmière Joël. Oh, il a tellement une dégaine, au secours. Je suis très déçu. Non, 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 non. C'est pas à toi que je voulais parler. Oh. Oh.
Oh, c'est bon, j'arrête. Oh, il y a des trucs stylés! Je crois que je vais mettre ça. Hein. Je sais pas. Tu vas peut être pas mal à la limite. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Nouveau, rien. Bon, bah, pour l'instant, on va rester comme ça. Hein. Ah, je peux personnaliser ça aussi, ok. Pouf. Comment ça rend? On va mettre comme ça. Oh. 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 Ah, je pourrais faire ça pendant des heures. Je pourrais faire ça pendant des heures. Alors celui-là j'aime bien, mais genre c'est un peu genre les mecs qui sont... Ah non, c'est plus celui-là. Voilà, c'est un peu les mecs dans les mangas, genre ils sont tout le temps sympas, mais tu sais jamais si genre... c'est genre... soit il est tout le temps comme ça, mais genre de nature, et genre c'est vraiment un gentil, tu vois. Soit c'est un peu le petit mec genre méchant qui se fait passer pour un gentil depuis le début, tu vois. Enfin voilà, du coup je suis pas trop fan. Ah non, ça me fait peur, hein. Les yeux fermés, ça me fait peur. Ça me fait peur, genre vraiment là, genre le... Eh, genre il a tout le temps les yeux fermés, tu vois. Il a tout le temps les yeux fermés. Genre quand il les ouvre, tu vois, c'est un peu le mec dark et tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je crois qu'on va mettre les yeux fermés hein, parce que c'est le plus... Waouh, celui-là, ouais. Allez, classique, ça change un peu. Changer la pose. Oh, trop bien! Attends, 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 dézoom, 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 dézoom! Celui-là est bien. Enfin, bien. Vite fait, hein, mais j'aime bien. Ça me fait rien. Oh, trop stylé! Trop stylé, ça. Suivant. Ouais, classique. Si tu mets à jour l'information sur sa carte, pense à Moti imprimer de nouveau. D'accord. Bon, c'est sympa. C'est sympathique, sympathique. Ah putain, faudrait que je m'arrête, hein, mais j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter. Une pépite. Je n'ai pas très envie de m'arrêter. Motorby a vraiment une ville incroyable. Tu savais qu'il y avait un ascenseur pour passer d'un quartier à l'autre? Waouh. Bon, le jeu nous dit clairement, va parler à machin là, je ne sais plus son nom. Sonia. Et c'est tout. Fait que... Va parler à Sonia. Alors, le super dresseur qui a traversé les terres sauvages, tu te souviens de ce qui t'amène à Mortourbi, n'est-ce pas? Le défi des arènes? Exactement, la cérémonie d'ouverture a lieu demain. Elle se déroule dans le stade de Mortourbi. Ou un petit Onyx, qui m'a fait très peur quand je l'ai vu. Pour t'y rendre, ce n'est pas compliqué, il suffit de prendre l'ascenseur qui se trouve au bout de la rue principale. Sur ce, je te laisse. Je vais en profiter pour faire un peu de shopping. N'oublie pas d'aller t'inscrire au stade. C'est ça que t'appelles visiter? C'est ça que t'appelles visiter? Mon dieu, sacrée visite, hein.
Là, on sait tout, hein. La petite poubelle, une Pokéball. Il faut apprendre à lancer une Pokéball et après il faut répéter le mouvement plein de fois pour prendre la bonne posture. D'accord, tu vas pas tomber dans l'eau, toi. Monsieur Tara qui lance des Pokéballs tellement fort, les Pokémon à l'intérieur, ils doivent avoir le tournis. Oh là là. Tu vas pas tomber dans l'eau, je vais pas aller te chercher. J'ai pas de Léviathan encore. Du coup, tu te démerdes. Non, j'ai pas Léviathan. J'ai un Magikarp, mais j'ai encore pire qu'un Magikarp. Vous savez ce que c'est? C'est lui. Mais c'est quoi cette tête? Mais please! Please! Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Je suis tellement deg. Ah, j'espère qu'il va avoir une sacrée dégaine. Hein. Pour ces faire, pour qu'est-ce que. D'accord. Je suis deg de chez deg. En vrai, ça se trouve, les autres, c'est encore pire. Hein. Ça se trouve, le plus stylé, c'est le singe. Oh! Tu as des nouvelles choses à me vendre? C'est parce que tu te téléportes, hein, c'est fou. Hein. Oh là là, il y a des trucs stylés en vrai. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Ah, mais c'est une. Attends. Ah non, ça c'est le t-shirt. Ah, mais on peut avoir une veste et le t-shirt! Ah là là. Oh là là. Il y a des trucs. D'États-Unis. C'est fou, hein, j'ai l'impression que j'ai dépensé ma thune que là-dedans. Le sac, c'est mieux si. Voilà, je pivote comme ça. Casquette de sport, ouais. Oh là, oh les lunettes, oh là 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 là. Voilà. On peut pas tester, hein. Sacré jeu, hein. Oh, il y a vraiment une personnification qui est juste incroyable. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Grand-mère m'a dit de voyager et de prendre du bon temps, j'en aurais bien besoin. Toi aussi, tu fais du shopping, mais tu devrais pas être au stade, là? Oui, bon, c'est bon, j'y vais. Par contre, non, c'est là. Là! Là! Bon, en plus, elle nous a dit qu'elle allait au shopping. Et j'avais totalement oublié. Qu'est-ce que vous. Ça fait long voyage depuis Alola, rien que pour assister au défi des arènes. Onyx est immense, mais grâce au Dynamax, il peut devenir encore plus grand. Oui, bah, j'imagine. Hein. J'imagine bien. Bonjour, bonjour. Je ne fais que regarder. Ah, mais c'est un ascenseur, ce truc! Ah, ok! Je pensais que c'est. Je sais pas, je pensais que c'était dans le décor, moi. C'est pas un ascenseur, en fait. Je pensais que l'ascenseur était sur les côtés, ou je sais pas où. Merci, mon gros! Heureusement que t'es là. Comment je ferais pour trouver le stade sans toi? Ouais, et par contre, le trac au feu, je le trouve vachement petit. Hein. C'est Koroto, la forme? D'accord, attends, on est bientôt 1 heure. Vas-y, arrête ça. Je m'en fous, on va jouer jusqu'à ce que j'en ai marre. Je vois que tu te montres digne de ma lettre de recommandation. Attends, j'ai un truc qui pourrait te servir. Voilà, tu pourrais faire tenir ça à un de tes Pokémon. Au mystique. Objet à tenir, une gemme en forme de goutte d'eau qui augmente la puissance et capacité de type eau. Ah oui, si j'aurais pris type feu, ça aurait été feu, etc. Et maintenant, on va vite prendre l'ascenseur le stade de Motorbit attend. D'accord. C'est parti. Par contre, est-ce que. Oh ouais, ça, c'est de l'ascenseur. Comment ça va se passer concrètement les arènes? Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Toi, tu me fais très peur hein, avec ta tête de Pokéball. Ah, t'es là? Le stade de Motorby, c'est là que la cérémonie d'ouverture aura lieu. C'est retransmis à la télé, tu te rends compte? Nos mères vont nous voir. On sent, qu'est-ce que je dis? Le monde entier va nous voir, quelle pression. J'en tremble tellement, je stresse. Non, c'est pas du stress, c'est juste que je suis complètement surexcité. Bien quand on fonce, le monde entier va apprendre le nom. J'ai envie de pisser. Vous êtes content de le savoir? Attends, 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 attends. Non, pas comme ça. Oh, il y a plein de nouveaux trucs. Oh non, ça me stresse. Ça me stresse, ça me stresse. Ok.
Non. Au mystique. Ça sert à quoi à obtenir? Restaure les stats qui ont subi une baisse ne peut être utilisé qu'une fois. Tac. Alors c'est mort, on va pas le donner à Magikarp. Hein. Ça me paraîtrait un peu con. Ah, cinématique? Non. Tu as vu ça? Il y a des challenges partout. Quand je pense que ce sont nos rivaux. Des challengers, pardon. Enfin bref, à nous inscrire. Oh, il va me saouler, lui. Je sens que je vais pas l'aimer. C'est un peu le mec genre... Ah, oh, je suis trop fort, hein. C'est quoi ce problème à Louis, hein? C'est pour le défi des arènes, vos lettres de recommandation, s'il vous plaît. J'ai très mal mis la ponctuation, c'est vrai. Oh, vous êtes recommandé par le maître en personne, c'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, je suis recommandé par le maître. Le maître a recommandé deux personnes, mais qui êtes-vous? Des célébrités? Moi, c'est la ville, je suis le petit frère du maître, et je suis bien décidé à le détrôner. Très bien, si vous le dites, juste un instant. Et voilà, vous êtes maintenant tous les deux inscrits au défi des arènes. Vous pouvez maintenant choisir votre numéro de dossard, il sera ensuite imprimé sur votre uniforme. Ah bah je suis obligé. Le numéro 666, Jonathan, ça va me porter malheur cette connerie. Voici un bracelet défi pour défi. Tous les challengers doivent en porter un. Le défi des arènes commence demain, ici même. Tous les challengers peuvent loger au Robes-Bouton d'or en attendant la cérémonie d'ouverture. Trop sympa, le président de la ligue, grâce à lui, on peut passer la nuit à l'hôtel gratos. Ouais, je vais m'enregistrer, à plus. Par contre, de base, on devait pas aller là, en fait. Genre, le train, il devait nous emmener, je sais pas où, mais pas ici. Si, je sais pas. Alors toi, tu vas me saouler. Moi, je suis recommandé par le président de la ligue en personne, tu comprends? Le défi des arènes et le principe de la crème. Oh, la crème remonte à la surface pendant que les déchets s'enchouent en bas. Et moi, je suis la crème de la crème, alors hors de mon chemin et en vitesse. Vous faites partie de la plèbe. Ça me saoule les gens comme ça, je vous jure. Il paraît qu'il y a des challengers qui ont été recommandés par le président et le maître. Waouh. Ouais, bah le maître, c'est nous. Et le challenger, je vais y arriver. Le président, c'est monsieur... Oh, je suis au-dessus de la peuble, tout ça. Le monde a le trac, on va réussir à gagner. Blablabla. Mais vrai, je ne peux pas te laisser passer. Je fais quoi? Je pars ou... Toi, tu me fais un peu peur. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. La compétition est rude. Ouais, bon, on s'en va. Hein, on s'en va. Et les méchants, ça va être qui, d'ailleurs? Ça va être qui? Les méchants, parce qu'on a la Team Rocket... La Team Galaxy, je connais pas les autres, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Non, si, dans Pokémon Ranger, il y avait la Team... je sais plus quoi. Mais il y avait une autre team, je crois. Ou c'était peut-être la Team Galaxy, j'en sais rien. Repousse! Génial. Ok, ok. Qu'est-ce que vous êtes bien content le challenger? Le Robuston d'or est dans cette direction. Je vais vous y emmener, suivez-moi. Ouais, mais on va se laisser là, je pense. C'est là-bas qu'il faut que je regarde. C'est très dur de prendre cette habitude. On va se laisser là, parce que là, je commence à fatiguer. J'ai pas très envie de m'arrêter, mais en vrai, je fatigue. Je fatigue, et puis l'épisode va commencer vraiment à être long pour la rediff. Enfin bon, j'espère que ça vous aura plu. Y'a pas un truc à briller? Non, ça doit être la fumée que j'ai eu. Il y a un peu de fumée. Et... Ah ouais, elle a dû... ouais, ça a dû partir et revenir. Et du coup, j'ai cru que ça brillait. Ah non, 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 non. Bien compte, nous voici au Robuston d'or. Merde, c'est pas moi que j'ai pas sauvegardé. Reposez-vous bien et ménagez vos efforts pour les combats qui vous attendent. Merci. Bon, ça, on s'arrête là du coup pour cet épisode et pour ce live aussi. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup, bah, je sais pas dans combien de temps pour la suite. Demain, je vais peut-être live pour le live. Je relèverai peut-être, même s'il y a personne, hein, je dis quand même, on sait jamais. Hein.
Pour la vraie, demain je vais sûrement relive sur Pokémon, je pense. Et du coup, bah pour la rediff, je vous le dis à tout à l'heure pour Xenoblade, probablement, parce que Xenoblade, il y en a tous les jours. Et puis voilà, quoi. Bref, j'espère que ça a plu. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!